Tant pis. En train de faire des tests. Hein. Bon. Alors. Juste voir un petit truc. Si je peux pas vite faire arranger ça. Youp. Yo le jaune, ça va? Alors. Filtre. Que je vais voir, donc juste bien montrer ce truc là. Alors, si je passe ça à 120, ouais, donc justement, c'est un peu trop. 5, mieux déjà, mieux déjà. Oh bah là, franchement, si tu m'entends pas correctement, c'est de ton côté le souci, hein, parce que ma barre elle est dans le jaune. Ma barre elle est littéralement dans le jaune. Oh! C'était pas le but. Ouais, non, c'est ça, 105, ça arrive bien. Ça limite un peu en tout cas. Ok. Non, c'est pas peut-être le shield, c'est le shield. Ok, alors, allez. Desmond. Desmond? Desmond. Ok, alors. Donc on venait de faire la mission de la charrette. Avec Leonardo de Vinci. Ça tout de suite. J'avais complètement oublié cette zone. C'est quoi? C'est les alentours de Venise? 100% des alentours de Venise. Ok. Je suis sur la toute fin de Days Gone. Il me reste plus grand chose. Très bon jeu. Très très bon jeu. Pour ceux qui aiment bien quand ça parle un peu zombie, tout ça, c'est le kiff. Attends, je vais faire le tour, hein. Peut-être qu'il était passé dans la flotte comme un débile. En vrai, il n'y en a pas. D'important, il n'y en a aucun. Genre, t'as besoin de rien faire, en vrai, tu te balades. T'en as le trois quarts qui viennent naturellement avec la progression, en fait. T'as des plaques historiques sur l'histoire de l'Oregon. Ezio, viens! Par ici! Merci, Ezio. Tu m'as sauvé la vie. J'ai fait ce qui s'imposait. Tu en aurais fait autant. Ça, j'en doute.
La bravoure n'est pas mon fort. Maintenant, j'ai une dette envers toi. De rien. Tout le monde à bord! Le départ est imminent! C'est notre bateau. À nous, Venise. Votre invitation? Pardon? Ah, Paper Mario, ouais, il a l'air cool. Il a l'air vraiment cool. À Venise comme dans un moulin. Pas encore qui fait pour a le coup. Invité personne. Basta! Il vous faut une invitation. Rassure-toi, Leonardo. Je vais trouver un moyen. Ouais. Faites quelque chose! Aidez-moi! Qu'est-ce que tu fous sur ce rocher, toi? Allez! Dieu du ciel! Mais aidez-moi! Tu peux monter, s'il te plaît? Merci. Je ne sais pas nager! Bah, de toute façon, tant que tu restes sur ta pierre, ça va, tu devrais être safe, hein. Je vois pas pourquoi tu paniques. Oh, j'arrive. Madonna. Quelle galanterie. Vous devez plaire aux femmes. Je ne cherchais pas à vous impressionner. Je voulais juste vous venir en aide. C'est justement cela qui impressionne les femmes. Je vous remercie. Comment je fais pour drifter là? Auditore. Mais de grâce, appelez-moi Ezio. Je suis Caterina. Alors, Ezio, nous allons. Ça veut pas tourner. Vous remercier. Vous n'auriez pas une petite idée? Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Je vous écoute. Oh mais tourne! Oh putain. Ça c'est vraiment du non tueur dès l'époque, hein. Ah va les meurs. La pire phrase. Putain, depuis qu'elle est montée dans la barque, j'arrive plus à tourner. Oh. Elle doit faire au moins un jaune et demi en poids. Allez! Casse-toi la barque. Voilà. Yes. Oui, signora. Bien entendu, signora. Putain, mais c'est tout ST de bâtard. Je peux vous l'assurer. Merci, Caterina. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Si jamais vous vous rendez dans la cité de Forley, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Je m'en voudrais de refuser votre hospitalité. Veuillez accepter mes plus humbles excuses, messere. Si j'avais su, je... Ne vous en faites pas, l'ami. Juste un truc qui vient de me titiller, là. Ouais, c'est ça. On va aller vite fait faire marche arrière, on va aller se faire le tombeau. D'assassin. Paraît pas trop mal. Ah ouais, j'aime beaucoup, mais je suis tellement pressé de le finir parce que je sais qu'après celui-là, c'est que du nouveau. C'est que du nouveau pour moi. Et celui-là, j'ai quand même des petits flashbacks par-ci par-là qui me rappellent un peu l'histoire du jeu, donc je suis pas tant surpris. Le 1, autant je m'en rappelais quasiment pas, autant celui-là, je l'ai quand même gardé en mémoire, quoi. Ouais, jusqu'à Origins, ouais. Après, c'est que du 9, ouais. Et un tout petit peu juste le début de Syndicate, quoi. Ouais, voilà, ce course de charade, je m'en rappelais bien. Bah après, c'est les moments un peu épiques où tu fais autre chose que juste courir à assassiner, donc forcément ça te marque. J'espère qu'il y aura des moments comme ça fréquemment, du coup. Parce que j'aime bien. J'aime bien quand tu casses le gameplay, c'est cool.
Ouh, le beau clipping. Ouh, sur les arbres, là. Ouh. Ouais, des trucs dans ce genre, quoi. Un peu spé, quoi. Pas forcément des courses de charrettes, mais... Putain, mais comment on rentre dans cette ville, au juste? Il va y avoir un chemin par là. Ouais, ça marche. Du coup, je peux dire de la merde, y'a toute ta maison qui m'entend, c'est ça? Merveilleux. J'adore ce concept. Oui, c'est ça, ok. Ok, Google, appelle le 17. Au cas où. Au cas où il a un Google Home. C'est jamais. Ah merde. J'aime plus ce qu'il faut dire sur les iPhones. Siri quelque chose, mais je sais plus quoi. Merde, un con, genre un con quoi. L'histoire, son histoire, sa vie. L'homme qui montait en haut mais qui ne se synchronisait pas. Dis Siri, appelle mon amant Homer. Yes. T'as vu comme il a fait le bourgeois en plus, il a pas dit j'ai un iPhone, il a dit j'ai des iPhones. On en est à quel stade de bourgeoisie là? Ah putain. Ce neb. Ok, alors le tombeau c'est par où? Le tombeau c'est par là, yes. Alors? Ai-je le seum? Oui. Ai-je le seum d'avoir fait tout ça pour rien? Oui. De mémoire il est chiant celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé en tête mais je crois qu'il est relou. Bon alors j'ai changé ma caméra d'écran parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc. C'est peut-être plus logique que quand je regarde le chat, je tourne ma tête vers le chat. Sur la caméra aussi. Et que quand je joue, j'ai la tête un peu sur le côté. Genre, il m'a fallu plusieurs mois pour m'en rendre compte. Ouais, non mais... Tu vois, c'est... Il y a un moment, quand t'arrives à un stade de professionnalisme comme ça, je veux dire, il n'y a plus rien à apprendre, quoi.
Ah non, mais... incroyable. Ah, tu regardes ma liste de follow. Non, mais non, mais. Oui, d'accord. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, l'avantage, tu vois, c'est que ça peut être réglé genre en 2-2. Genre. Tac. Je crois que c'est ça. Ah non. C'est pas verticalement qu'il faut la retourner, c'est horizontalement, Benjamin. Tac. Configurer la vidéo. Ouais, bref, je sais plus. Si, c'est ça, symétrie. Voilà. C'est ça l'idée. Mais du coup, ça me fait super bizarre, donc je vais cacher changer ça. Parce que j'étais tellement habitué à l'autre côté que maintenant ça me dérange. J'aime pas du tout. Voilà. Hop. C'est mieux. Oui, voilà, c'est ça. Non, l'autre côté, c'est pas possible. Genre, je sais pas, la symétrie, elle est chelou, j'aime pas. Enfin, bref. Bon. Pourquoi j'ai essayé ça? Ah! Ah oui, d'accord, ok. Moi j'avais pas compris ça comme ça. Oui. Ouais, bon. Hein. Je vais pas commencer à m'adapter aux requêtes de chaque manant. Hein. Le gars d'une pédance innée. Alors, comment que ça se passe cette histoire là? J'ai pas trop compris où je devais aller là. Yavou, il n'est pas compris. Je vois pas de grip. Putain, j'ai pas de grip, merde. Ah, mais attends, je peux juste nager en dessous, non? Ouais, voilà. Ça paraissait logique. Putain de merde, réfléchir dans Assassin's Creed. Tu m'aurais dit ça un jour, j'aurais pas cru. Hop. Non, non, non! Oh, mais quel con. C'est que dans la série des deux. Ah non, je m'en doute, t'inquiète. Alors, pioup, voilà. Et le dernier saut, on se meurt de pas idiot. Merci bien. Je l'ai déjà vu quelque part. Il est là! Allez! Tu te tais. Tu te tais instantanément, en fait, je... Je connais cet homme. Mais non. J'en suis sûr. Mais non, pas vrai. Non, il est là! Voilà. Tu fais presque du bon boulot, Ezio, c'est juste dommage que tout le monde ait le temps de gueuler avant que tu les tues. Je le vois.
t'es trippé comme un porc. Pipipipipiou. Le voilà. Touch. Voilà, le massacre est terminé. Bon, vous avez bien compris que bon, les Assassin's Creed, j'aurai d'assassinat que le nom. Hein. Ça va être une barbarie. Hein. Par contre, on me demandera d'être discret, mais. Et encore, là, on verra si j'y arrive. Mais bon, je sais pas trop faire les choses dans l'ombre, moi. Je suis quelqu'un d'assez brutal. Pas du tout. Complètement faux, en fait. Complètement surréaliste. Yes. Incroyable ce saut. Ok. Mécanisme, porte, ouverture, on a compris. On a compris. Mais oui, c'est clair. Ah bah. Par contre. Moi ça n'a pas remarqué ta remarque. N'a pas apprécié ta remarque du coup il a crash. Je suis vraiment désolé. C'était pas le but. Moi je veux que votre bien, je suis quelqu'un de très sympa là-dessus. Ah, votre bien et votre confort. Maintenant ma co est dégueu. Putain, j'ai vraiment cassé la vie en fait. Je suis vraiment désolé. Youf. Voilà. Oh là là, c'est Travelling. C'est Travelling de 2010. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, je sais même pas quand il est sorti en vrai. Il est sorti combien de temps après après Assassin's Creed 1 lui? 3 ans 2 ans. Ah, je le connais. J'en suis sûr. Il était là à l'instant. C'est comme s'il était passé genre je sais pas derrière un mur. C'est complètement faux. Il est là, allez. Non mais lui il est con aussi. Petite fouille au corps parce qu'en général ils ont de l'argent ou des trucs sympas. Ok. Ah, voilà, voilà. Non ? Ah, je pensais que je pouvais m'accrocher au nœud. Ok. Utilise tes biceps. Non! Oh putain, chance. Ouf. C'était pas loin du tout. C'était pas loin du tout. Bon, on devrait arriver au terme de ce tombeau là. Trouver le caveau. Je pense qu'il y a juste à pousser cette petite douceur mécanique. Je sais pas, j'ai pas de drop frame encore. J'ai aucun frame drop. Hmm.
Oh putain. Merde. C'est peut-être tu te choues court, hein. Ce serait pas la première fois. Ça a d'être revenu à la normale, nickel. Tant mieux. Ouais, non, ça arrive souvent hein, que Twitch ait des merdes aussi. Yes, allez hop. Ravaldino, on dirait un mauvais joueur brésilien. Ravaldino. Ok, alors de où ça me fait sortir là? Oh putain, c'est bien, c'est pas du tout grillé en plus. Bon, sinon, t'attends des jeux là prochainement, Youm? Est-ce que t'attends des choses en particulier? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont hypé un peu? Mis à part le remaster de la collection Mafia. Un joueur du Brésil dans PES, c'est ça. Faudrait que je me barre à Monteriggioni vite fait là, dépenser mes sous. Si je trouve un TP, je le fais. Valhalla, ouais. Ok. Tu penses que tu seras chaud de faire Valhalla direct en ayant enchaîné deux jeux qui sont exactement pareils, à savoir Origins et Odyssey? Enfin. Exactement pareil, sur pas mal de points en tout cas. Et on attaque un troisième. Tant mieux, hein, mais... Ouais, je peux me TP, mais il faudrait que j'aille genre... là. Station de voyage rapide. Flemme, j'irai après. Non, je vous en prie, arrêtez ça. Regardez-vous. Ouais, ouais. Après, comme dit, il y a quelques différences entre les deux, mais je pense que c'est vraiment trop la même chose pour être enchaîné. Genre dans l'idée principale, tu vois. C'est vraiment trop pareil. Il y a des apports, mais c'est pas suffisant pour être enchaîné, je pense. Ah, mais je crois qu'il y a un voyage rapide juste à côté, en fait, du bateau. Ouais, nice. On va aller là-bas vite fait. Nice. Monter Johnny. Bam 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 bam. Allez, vous cherchez quelque chose? Ne cherchez plus. Je vous propose. Hey, vous n'avez aucune raison.
Ouais, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien hein, de pas tout le temps être confronté à genre de la performance en boucle. Côtoyer les gens aussi. Ouais. Oh la vache. Quel bonheur. Quel bonheur de jouer en solo par moment. Trop de stress. Ouais, mais c'est ça. C'est stressant, ouais, de fou. Hein. On dirait pas, mais. Et c'est énervant. Stressant, énervant. Tout ce qu'il faut pas, quoi, quand tu rentres du boulot. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Ouais, t'inquiète, j'oublie pas quand on me dit qu'il y a 27 000 dedans. Hein. T'inquiète pas. Putain, je croule déjà sous l'argent. C'est bien, je vais pouvoir commencer à acheter toutes les armures et tous les coffres. Bon voyage! Non, non, je vais pas tout réparer alors que je vais changer la moitié. Bon, bah, on va se mettre en full set M-Shield. Hein. Bon, déjà, on va mettre. Ouais, c'est ça, tu. Ouais, non. Mais... Voilà, bon. Ça, c'est fait. Il faudra que j'achète ça. Ce fut un plaisir. À très bientôt. Ouais, bon, ça. Ouais, non. Je cherche plus à comprendre, franchement, ce genre de truc. Je serais, franchement, en vrai, ce qui me ferait retourner sur un jeu multi maintenant, c'est si mes potes proches, tu vois, tout un groupe de mes potes proches, mais bon, en général, j'en ai pas 5, quoi, venaient pour me dire, ouais, on fait une équipe sur ça, tu vois. Et là, je dirais, ouais, ok, ça marche, ça me va. Mais sinon, je jouerais plus à un jeu comme ça seul, quoi. Genre, juste avec des randoms du net, là, bah, ça dégage. J'arrive pas à comprendre ce que je porte, ça m'énerve. Ok, donc j'ai tout en cuir. Tout ce qu'ils soient forts ou qu'ils acceptent leurs bêtises. Ouais, non, mais c'est même pas forcément ça. C'est juste qu'en fait. Juste que ce soit vivable, en fait. Tu vois, genre. Tu te fais un groupe, une équipe de groupe de potes. Tu peux tout de suite mettre en place. Genre, pourquoi on joue ensemble, tu vois. Est-ce qu'on joue ensemble pour faire des tournois, gagner des trucs? Ouais, ouais, M-Shield est la meilleure. Ouais, juste pas la dernière pièce. Est-ce qu'on joue ensemble juste pour jouer ensemble et auquel cas bah il n'y a pas lieu de s'embrouiller, tu vois? Ou est-ce que est-ce qu'on joue ensemble et on a pour objectif à un moment de progresser? Et là bon bah c'est clair qu'il faut que chaque personne se mette du sien pour accepter les remarques potentielles. Mais pareil, la façon dont tu fais tes remarques à tes potes, t'es censé être quelqu'un de correct aussi, tu vois. Enfin, ouais. Mais ouais, ce serait le seul truc qui me ferait me dire ouais, pourquoi pas, tu vois. Autrement, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein, qu'on me dise on joue ensemble pour le fun ou pour, je sais pas,
faire des LAN ou des tournois à la rigueur quoi, mais l'un comme l'autre, du moment que je suis avec des potes, je suis pas avec des randoms du net, ça me va. Bon, le problème c'est que moi, à part généralement les racks, je les fais pas. Ouais, mais c'est ça. C'est mieux en fait, limite de rien dire et de l'en parler. Laisser quelqu'un qui a le moyen de le dire correctement. Ouais, tu les subis. Ouais, bon. En fait, sur les 5, parce qu'en général tu joues à 5 quand même. Sur les 5 de ton équipe, faut qu'il y en ait au moins un qui sache parler aux gens en fait. Et qui sache. Enfin, qui ait la capacité de pouvoir parler aux gens sans les frustrer et juste pouvoir leur exprimer vraiment le problème de leur façon de faire. Tu vois. Sans que ce soit mal vu. Si t'en as un qui sait faire ça, c'est bon. Parce que du coup, ton truc, il va tourner correctement. Mais disons que si dès que tu rates un gank, t'as 4 mecs de ton équipe qui te balancent un tu pue la merde. Attention, Actio. Tu sais qui c'était ? Tu vas pas jouer longtemps. Ma prochaine conquête. Ça m'étonnerait, Ezio. C'est Katharina Sforza, la fille du duc de Milan. Elle est mariée à... Mariée ? Oui, mariée au seigneur de Forli. Cette femme est aussi redoutable et influente qu'elle est jeune et ravissante. Alors c'est tout à fait mon type. Ouais, mais si les autres veulent pas écouter, c'est que vous êtes clairement pas... Enfin, vous êtes pas clair sur ce que vous voulez faire en équipe, tu vois. Ça va comme tu veux ? Ah. Et même mieux que ça. Tes progrès sont incroyables. Incroyable ? Elle est bonne. Un peu. Alors, c'est une de celles que Quentin a ramené une samedi. Une exposition prolongée à l'animus aurait des effets secondaires. Génial. Aucune raison. Avec modération, l'alcool. Tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant. Les deux personnes qui... Symptômes ? Quels symptômes ? Dont mon retour. Dédoublement de personnalité, hallucinations temporelles, troubles cognitifs, perceptions erronées, entre autres. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, Desmond, c'est que si tu ne fais pas attention, tu n'auras plus besoin de l'animus pour rejoindre tes ancêtres. Remarque, si tu arrives à te contrôler, pourquoi pas. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi. Sauf le sujet 16. Nous ferons attention, Desmond. Il l'avait laissé dans l'animus beaucoup trop longtemps, parfois des journées entières. Ça n'arrivera pas avec toi. Je l'espère. Bien. Je voulais tester ta capacité de rétention. Voir si tu assimiles les aptitudes d'Ezio. D'accord. Parfait. Rejoins-moi en bas quand tu seras prêt. C'est bizarre, mais en fait, je viens de me rendre compte que l'un des rares trucs encore que je me rappelle d'Assassin's Creed 2, c'est aussi une fuite de ces bureaux-là. Genre... Une grosse fuite. Qui m'a l'air d'être vers genre la toute fin du jeu. Je me demande ce que le sujet 16 a pu découvrir de si extraordinaire. S'il y en a bien un qu'il faut pas parler, c'est lui. D'après Lucie, c'est en rapport avec le codex, mais je n'en suis pas sûr. Si c'est aussi important qu'il l'a laissé entendre, ça m'intéresse. J'irai chercher moi-même la réponse si je pouvais utiliser l'animus. Seulement voilà, au lieu de ça, je suis assis là et je reste sur la touche. C'est le truc qui était stylé dans ça. Ouais, ouais, grave. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, je me rappelle que tu le fais, mais je me rappelle plus de comment ça se passe, la musique qu'il y a et tout. Putain de merde. Ah bah, je fais vraiment tiep avec ma télé à côté. Hein. Putain. Ah bah, merde. Tranquille. Nickel. Si les gars qui sont censés veiller à ma sécurité veulent taper une petite sieste pendant que je suis en train de risquer ma vie. Faut tuer des gens pour gagner de l'argent. Ouais. Ouais. Et pour être un tueur en série aussi, ouais. Ça va. Donc de tout ce qu'on a vu en conf, le seul truc que t'as retenu, c'est Valhalla. Même pas... Comment il s'appelle? Watch Dogs 3? Yo Django.
Avec Caius C+. C'est quoi Watch Dogs? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Caius Bitus Lacus. Qui prend le bus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Ça va, tranquille, le test de l'effet de transfert 5 minutes après que je sois rentré dans l'animus. Les types d'Abstergo nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêt à les accueillir. C'est nul, Watch Dogs, t'es un ouf. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre l'ascenseur. Sois sympa, donne-moi un indice. Ouvre les yeux, Desmond. Y'a pas une aimante qui m'a... Putain, c'est une bonne idée, ça. Bah, tu sais quoi, tu peux me la faire? Ah bah voilà, on est une. Putain, le gars, je lui donne du boulot, il se barre, quoi. Tu mérites bien ton drapeau de la CGT. Lucie, je vois des choses. Tes hallucinations durent-elles plus de 30 secondes? Montre à barre, Kristen Bell. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ouais, attends, je peux faire ça, ouais. Alors, je m'en sors bien? Tu as réussi à t'approprier toutes les aptitudes d'Ezio. Ta capacité de rétention est impressionnante. Encore un jour ou deux et nous serons prêts. Bon, elle a un petit problème oculaire là, mais... Voilà quoi. Putain. Allez, j'ai balai aussi, ouais. Allez, j'ai hangar à balai plutôt. Putain, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? William 97, merci pour le follow. C'est cool. C'est très gentil. Okay, bienvenue. Dis-moi, pourquoi Ezio? Pourquoi l'Italie? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altaïr. Le suivre dans ses premières années. Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre? Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidic s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents, comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Le 1er 2020, t'es ouf, on n'est pas sur ton channel. Les sessions ultérieures ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, moi ça se passe bien en ce moment. Après tout ce que les Templiers ont fait subir, après tout ce que... Oh. Elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Bah, mais bon. Faut comprendre. Le meilleur modo, c'est tout. Faut comprendre. Satisfactory, c'est compliqué. Un dans le Hugo, une PS5. Ah. Ah. C'est vrai que c'est pas évident. Parce que du coup, avec vos conneries, en fait, j'ai oublié ce que je devais faire maintenant. Je pense que je dois appuyer sur un bouton à nouveau, mais... Lequel? Ah, là-bas. Faut croire. Hein. Ah, vu la forme, j'irai pas essayer. Alors, vous cherchez le codex? Et le sanctuaire. Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. Satisfactory, c'est pour l'élite. Moi, je pense que tu combles le fait que tu fous rien au boulot en travaillant dans un jeu vidéo.
Genre c'est ta conscience professionnelle qui se réveille sans que tu le saches, tu vois. Ouais ouais, tranquille, panique pas. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Un véritable quarantaine. C'est exactement ça. Non mais, bah, tu vois, moi je prends l'exemple inverse, tu vois. Je bosse très dur toute la journée. Tu vois, je me casse le dos à absolument rien faire. Et à réécrire des factures de compta. Tu vois, quand je rentre chez moi, j'ai pas envie de travailler dans un jeu vidéo. Ça m'intéresse pas du tout. Genre non. T'es pas au chômage? Pas encore. Pas encore. Dans 2 jours. Dans 2 jours, je n'ai plus d'emploi. Ma vie sera beaucoup moins mouvementée. Non, en gros, dans 2 jours, j'ai fini mon contrat d'alternance. J'en ai enfin terminé avec cette exploitation gratuite. Et je me mets une énorme murge mercredi soir. Donc je streamerai pas, voilà. Parce que je suis quelqu'un de très constant. Et une fois cette murge passée, dès que j'arriverai à retrouver du sang dans mes veines, je commencerai à chercher un vrai boulot. En fait, il chôme en CDI. Il a une rémunération fixe et il faut rien. C'est merveilleux. Mais je rêve. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Mais où suis-je? Deus Vult Mode. Altaïr, c'est pas vrai. Je suis même pas dans l'animus. J'ai dû m'évanouir. C'est sûrement sa cible. L'art de l'arrêt. Non mais c'est ridicule là, Altaïr. Non. Je suis en train de niquer tout le côté épique de la somme. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il a embarqué son pote en sautant? Oui. Ah oui, ok, je peux pas... D'accord. Je peux pas le tuer, en fait. Ah non, je n'avais vraiment pas le temps de passer cette porte. Putain. Non, mais c'est honteux. Faites en sorte qu'il ait de l'avance, au moins. Respectez-moi. Les streams plus souvent soon, je suis pas sûr. Parce que si je commence à faire ça, je vais vraiment pas chercher un boulot. Vu que j'ai absolument pas la prétention de réussir dans ce milieu, je préfère garder ça comme, comme un loisir. Chercher un travail, ça sert à rien, c'était blindé. Ouais, le problème, c'est que je le suis pas. Enfin bon, ça fait 2 ans que je bosse pour 900 euros, quoi. Donc, à partir de là. Qu'est-ce que j'ai fait à la... Merde, j'ai fait quoi, la plante? À la lampe? Allô? What? Ok. Par contre, sans déconner, j'ai cassé le jeu, oui. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que je sais... Ah, elle est repassée. Ah, merde. Bon, bah, ça va pas l'air d'être là. Ou alors, si c'est là, j'ai pas compris comment fallait sauter.
C'est dommage parce que ça paraissait vraiment d'être... Enfin, ça donnait vraiment l'impression d'être là pour le coup. Putain, mais la lampe, elle vole. Oh merde, mais... What? Ah non, mais c'était vraiment par là-bas, en fait. La lampe est en train de faire des méga tours de la tour, en fait. Ok, yes. Oh putain, t'es sérieux? Non, impossible. Arrête. Bah, je suis pas le genre à faire bugger les jeux, moi. Oh merde. Monte en face de la poutre et saute sur place. Ah, pas bête. Oh putain, tu te rappelles de ça? Merde. Oh merde. Trouvé. Ouf. C'est bon. Ouais. Ma CG, elle était cassée. Mais genre, quand je te dis cassée, elle était vraiment cassée. Elle récupérait des images qui squattaient dans mes documents images, dans mes cookies internet, dans tout. Elle me les affichait à des endroits qui n'avaient aucun sens. Si j'avais encore les screenshots de ces trucs, mais tu pèterais un plomb. Dust 2, des murs avec des paysages Windows XP. Mais déformés en plus. Truc qui avait aucun sens. Des têtes de mecs que je connaissais pas. C'était quoi son nom? Maria, c'est ça. Je me demande. Un truc de fou. Oh, bon, je m'attendais pas à ça. Quoi? Je me rappelle pas de ce moment. Et une seconde. Je ne devrais pas suivre Altaïr. Je suis coincé ici avec Maria. Dire que... Il est vraiment bizarre ce rêve. Ah ouais, ouais c'est chaud. Elle est rentrée dans les parties. Par la porte de devant. Ouais, Altaïr entretenait des relations. Il est tard et on. Eh, ça va? Ouais, ouais, ça va. Un mauvais rêve, c'est tout. Tant mieux. Je te laisse te préparer. À tout de suite. Salut, salut. Ah, tu es tombé du lit ou quoi? Désolé, mauvaise nuit. Fais attention, ton professionnalisme te perdra. Fous-lui la paix. Désolé, mais on a du pain sur la planche et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Tu comprends ça? Sean, c'est bon, ça suffit. Très bien. Ok, continuons notre massacre. J'arrive, je cherchais de quoi remplir ma vape. Oups, j'ai cassé mon fond vert. Ah, c'est bon. Hop là.
Hop. Voilà. Une seconde. Voilà. Tant que je place les mots dans le bon sens. Voilà. Ouais, 10 cartes dans le coffre. Voilà. T'es un plus 10, ça veut dire quoi ça? C'est beau ici. C'est très beau ici. Quoi, Guillotin? Quoi, Greg Guillotin? Ah, merde. Ah, putain, je l'ai pas, celle-là. Non. Je connais le délire, hein, mais j'ai pas cette ref en particulier. C'est quoi, dans la vidéo où il est avec le rappeur, là? Même d'autres, ok. Ok. Oh. Ah oui, parce que j'ai un bug sur ma manette. Ma manette vibre tout le temps. C'est agréable. Ça fait des petits massages. Non, je déconne, c'est extrêmement relou. Au lieu de la montagne, surtout. Messer Da Vinci. Oui. Bonjour, bienvenue. Ouais, je sais. Je suis Alvise. Non, mais les Axis, des fois, des fois, elles s'allument pour rien. Allez. Ah, bah, c'est Venise. Ok, nickel. Ah, Venise. Aucune ville n'est aussi charmante, aussi paisible, aussi parfaite. Venez, je vais vous montrer ces merveilles. Bon, qu'est-ce qui vous chauffe là sur les prochaines sorties là? Le pont du Rialto. J'avais demandé à You, mais il y a d'autres personnes qui sont passées, donc cet ouvrage foncez. La fierté des Vénitiens. Hors Cyberpunk, parce que c'est triché Cyberpunk. Et si vous attendez pas Cyberpunk, vous êtes bizarre. La plus vieille église de la ville. Quelle majesté. Regardez son horloge. Magnifique. Allez, venez, ce n'est pas fini. C'est quoi Cyberpunk? Ouais, j'ai fait. Nos marchés sont uniques, ils s'étendent à perte de vue. J'ai fait. Vous y trouverez des épices, de la soie, mais aussi plusieurs... On t'a dit de rester chez toi. Stanley Parable, je me demande si je l'ai pas fait en live à l'époque aussi. J'ai le droit de vendre mes marchandises. Deux ans. Ce n'est pas ce que dit Emilio. Non, arrêtez. Poursuivons la visite. Ailleurs. This is not a game, je l'ai vu. Il est sorti il y a pas longtemps, je crois. Si c'est celui que j'ai en tête. Ça avait l'air pas mal. J'aimais bien le délire. Ouais, je l'avais fait en live, ouais, ok. Oh. Regarde, n'est-ce pas une merveille? Peux-tu m'avancer l'argent? Vois-tu, ma bourse est restée dans mes bagages. Faut vraiment lui avancer parce que c'est important qu'il découvre ça à l'honneur de Vinci. Attention, Corleone. Il y a un jeu dernièrement où tu dois esquiver avant d'attaquer, c'est du Stickers Game.
le palais. My name is Pedro, my friend Pedro, c'est pas un truc comme ça? Je vous proposerais bien de la visiter, mais avec les récents événements. Quoi? Quels événements? Emilio cherche à unir tous les marchands sous une seule bannière. Mais certains lui résistent, parfois même violemment. Et pourquoi lui résiste-t-il? Ils prétendent se battre au nom du peuple, pour la liberté des inepties de ce genre. Ils sont tous fous, moi je vous le dis. Ok, ça marche. Ils ont saccagé mon étal. J'exige une compensation. Mais tu vas la voir. J'en informerai le Doge, et j'irai tout raconter au conseil. Le Doge. Ça m'étonnerait, l'ami. Merde. Qu'est-ce que vous faites? Nous te mettons aux arrêts pour entrave au commerce. Waouh, match prison. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Aucune loi ne le permet. Maintenant, si. Non, arrêtez. Putain. La justice, elle est vite rendue ici. Hein. Mais c'est bien. Continuez à faire des balades en amoureux à bateau. Hein? Mec qui prend un peu tout au sérieux. Maintenant, je vous présente votre atelier, Sir Da Vinci. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Vous verrez, il est parfait. Vous ne regretterez pas Florence. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous apprécierez Venise autant qu'elle vous apprécie. Bon, nous y voilà. J'ai vraiment hâte. Mais entre donc. Plus tard, peut-être. Je dois me rendre au palais de la soie pour demander une audience à Emilio. 4-1-0, putain. Mais si tu trouves une page du codex. Ah, qu'est-ce que c'est bien, 4-1-0. Surtout n'hésite pas. Ma porte est toujours ouverte. Qu'est-ce que c'est vieux. Gratier, mon ami. Ils auraient fait des trucs, les devs de ce jeu là, depuis. Dis-nous là. Ouais, mais c'est vieux dans ma tête. Il m'avait trop chauffé après le trailer, je l'avais fait direct dans la foulée. Ah, je me rappelle Avril, là. Ah, c'était ça. Putain, elle est propre la représentation de Venise. Très très propre. Super Hot Mind Control. Alors putain non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, j'ai jamais fait. Gameplay à l'envers. Oh. Oh la plaie. Super Hot, j'ai fait. Mais Super Hot Mind Control, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est nouveau. Ah, ils ont fait un nouveau, je sais même pas. C'est quoi la différence avec le premier? C'est brillant. C'est quoi, c'est en VR ou quelque chose? Non, c'est normal, je crois. Comment faire pour entrer? Je pourrais escalader. Non, mauvaise idée. Si je tombe, je me tue.
Faut y jouer pour saisir le truc. C'est tellement différent de Super Hot de base. Ah ok. Oh putain, ça c'était un sacré jeu ça. C'était un sacré putain de saut. Je voulais être un voleur. À un moment, je me suis pris une flèche dans le genou. Mais je te reconnais. Il faut partir. Tu ne t'es pas excusé après m'avoir bousculé. Allez. Va bene, Verrou. Vers l'eau. Si je peux me permettre, c'est un peu vague. Ok, d'accord. Allez, bande d'incapables. Qui veut bouger le premier? Là-bas. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Ah non non, mais t'as raison. Ouf, comme c'était stylé ça. Vite, ils se rapprochent. Et aussi qu'ils sont à venir. Ah ouais. Ça se prêtait bien à la situation, quoi. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Ah, mais je suis derrière toi. Ah. Je te colle au derche, là. Et je suis à 10%. Ah, t'as raison, pousse tout le monde. Oh merde. Putain, ils avaient tous des phrases bien perchées hein, quand même. Il se rapproche. Bon, tu comptes trouver ton chemin hein? Je vais me débrouiller toute seule. Mais oh. Do you talk to me? Ah, dans 20-30 ans, il n'aura plus. C'est tout ce qu'il faut retenir. Plus 1 égale 11, tout ça. Ou 1. Et là, c'est beau. Ah, restocke ma jambe. Quel est ton nom déjà? Rosa. Enchanté, Rosa. Je suis Ezio. Je sais. Comment ça, tu sais? Oh, plus tard. Ce n'est vraiment pas le moment de bavarder. Tu es aveugle. On est avec toi. Ta-da, ta-da. Putain, Stevie. Hugo! Est-ce que ça va? Rosa est blessée. C'est des références obscures que j'aurais oublié, préféré oublier. Nous allons continuer en bateau. Doucement. Oh, t'inquiète, t'as pas besoin d'être trop vieux pour connaître Jean-Claude Van Damme. Et tous les étendus de son arme. Et de son phrasé. Je m'occupe des gardes. Tu l'es, Ezio, vite!
Oui, c'est très probable. On doit avoir tous dans la 25. Dans les 25. Enfin, à part John qui a 40 ans, mais... Splash. Ouais, voilà, c'est ça, aux alentours des 25. Quoi. Ah. Ils sont postés sur les toits. Fais quelque chose, vite. Mais bon... John, il en a marre de courir devant la police à chaque fois qu'il se balade avec un long manteau devant les écoles primaires. Il a envie de changer de carrière. C'est un ban ça, non? Oh merde! Bah non. Oh, tu regarderas la VOD. Va. Quel flic te course à tort. Ouais. Ouais, si on peut dire ça. Je travaille avec eux, merde. La loi, c'est moi, putain. Judge Dredd, tout ça. Quel mauvais film. John gros. Oh putain les refs. Wow. C'est bon, il est rentré chez... Bénichou, il m'a dit. Putain de merde. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec mon fond vert aujourd'hui? Voilà. Il est mort, idiota. Idiota. On se recueillera plus tard. Je dois voir Antonio. Le décor s'effondre. Doucement. Je m'en occupe. Va trouver Antonio. En fait, Benjamin ne vit pas dans un monde transparent. Mais qui est-il pour me donner des ordres ? Il utilise des subterfuges comme tous les streamers. Oh merde. Ah. J'en peux. Hé, hé. Réveille-toi. Gentillesse de perdre. Ça, c'est des phrases de Simps. Que les Simps se disent entre eux. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut l'allonger. Allonge-la ici.
Bien joué. Là. Chez toi. C'était donné. En sécurité. Merci. Rosa, qu'y a-t-il? Retire-moi cette maudite flèche. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi voir ça. La flèche a traversé la cuisse. Deux fois, en 20 minutes. Exprès, là. Rosa, si je fais ça, tu vas perdre une jambe, putain. Comme tu veux. Tenez-la. Désolé, ma belle. Oh. Désolé. Je vais t'en donner des raisons d'être désolé. Va chercher Bianca. Allez, vite. Il faut que tu m'aides. Comment? Donne-moi un linge propre. Quand je retire ma main, appuie fort sur la blessure. Tu es prêt? Vas-y. Porca putana. Parfait. Non. Toi, tu ne manques pas de cran. Eh bien, elle a la peau dure. Allez, emmenez Rosa à l'intérieur. Bianca va la soigner. Ça va aller. Le pire est passé. Que la peste s'abatte sur toi, bastardo. Sur toi et sur la truie qui t'a donné la vie. Merci. Rosa est ce que j'ai de plus cher. Si je la perdais... Ouais, c'est pas fou. J'ai toujours eu un faible pour les jolies femmes en détresse. Oui, il paraît. Ne sois pas surpris. Nous savons tout sur toi, Ezio. À en croire tes exploits dans toute la Toscane, tu es efficace, quoique un peu... impulsif. Alors tu sais pourquoi je suis ici? Je le devine. Grave. Quand tu auras une minute, rejoins-moi dans mon bureau. Nous bavarderons un peu. On papote? Allez, on papote. Avanti. Ezio. Prego. Je peux t'offrir quelque chose? Des biscuits? Du café? Du café? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens, goûte-moi ça. Un peu trop amer à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être? Ou du lait? Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Assez parlé de ça. Où en étions-nous? Salement copié, ah ouais? Notre déroute au palais nous a coûté très cher. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Ah ouais? La hâte nous infligerait d'autres pertes. Non, il nous faut des armes et un plan d'action. Je peux difficilement me permettre d'attendre. C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les, ils te diront quoi faire. Et tu vis sur Paris, j'imagine. Les aidera. Plus vite nous passerons à l'attaque. Molto bene, Antonio. Ah, Montpellier. Ah oui, il y a pas à Paris ça. Je crois pas qu'il y a à Paris. C'est la bonne décision. Je sais plus. Je sais même pas s'il y a Ubi à Paris. Putain, mais il y a Ubi partout en même temps. Y'a que Montpellier, ok. Ou Montréal, ouais. Ou Montréal, c'est plus trop en France, quoi. Salute, Rosa. Ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que tu te plais à Venise? L'endroit est charmant, mais l'odeur est insupportable. C'est écœurant. Alors? Quel bon vent t'amène? En fait, j'espérais que tu pourrais m'aider. Bien, mais encore? J'aimerais apprendre à grimper comme toi. Ah. D'accord, je vais te montrer. Elle est dégoûtée. Je vais plutôt demander à Franco. Franco, allez, ramène tes fesses. Montre à Ezio comment grimper en haut de cet échafaudage. Avant tout, commence par te suspendre. Et saute pour atteindre le rebord. À ce moment-là, attrape-le avec ta main. Et puis hisse-toi. Bien. Tu as compris? Ouais, je crois. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. À toi de jouer. Grave. Ouais, elle était vraiment très très enclin, elle. Ça doit être une adoratrice du jouet de coït. Attrape le rebord au plus haut de ton saut.
Alors, le verdict ? J'ai déjà vu mieux. Le 5, arrête, oui. Je t'en prie, tu vas finir par me briser le cœur. Je termine. La création est terminée. On va voir ce que tu vaux vraiment. Je suis prêt. Rejoins-moi devant l'église des Frari. Frari. Alors juste parce que bon, j'aime pas trop progresser dans l'inconnu, je vais juste me choper un petit point de... Voilà. Un petit point de ça là. Bam 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 bam. Ouf, putain, il commence à y avoir de la moula là-dedans. Enfin à terre dans une nouvelle ville, nice. Bah ouais, faut faire les bons placements au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, on a plus 15 ans là à acheter des épées, alors que si tu dépenses un peu d'argent au début, t'as là. Tu deviens plus riche que Vinci en fin de carrière. Je suis sûr de la... Il est là ! Encore un mercenaire ? Et quel arbre ! De toute façon, c'est simple. Dans un jeu, on te propose une mécanique pour gagner plus d'XP ou plus d'argent, c'est le premier truc à acheter tout le temps. Tout le temps. Il y a très peu de jeux où c'est pas rentable. Fin de carrière après sa mort, c'est-à-dire encore maintenant, quoi. Enfin, bon, je pense que d'ici... D'ici 20-30 ans, avec la génération TikTok de Vinci, ça deviendra... Ça deviendra le nom des mecs qui veulent parler de DiCaprio, mais qui savent pas trop de quoi ils parlent. Ah, t'as vu le film avec De Vinci, là? Ouais, je vois bien venir, ça. Tout est possible avec la génération TikTok. Putain. C'est un nouveau filtre. Ouais. C'est ça me paraît être le genre. Ouais. Et là on va me dire mais putain mais t'es tellement un boomer. Ouais. Tellement un boomer, tout le monde dit ça des générations plus anciennes, enfin des générations plus jeunes, ce qui est vrai hein, en soi. On a toujours eu on a toujours eu un tendre amour pour le fait de critiquer les plus jeunes, alors que je pense que nos parents disaient exactement pareil de nous, sans aucun doute. Non, ça rajoute la difficulté, putain. Ça rajoute la difficulté. C'est tendu. Ah, Ezio. Je suis content de te revoir. Fléva. J'aurais bien besoin de... Bah non, mais je sais que j'ai juste appuyé sur flèche de gauche. Pourquoi puis-je t'aider ? J'aime bien passer par là. Emilio a dressé plusieurs de mes hommes. C'est réglé, hein, il marche. Il les a corrompus. Oui, nous ne pouvons pas frapper avec des traîtres dans nos rangs. Ils sont quelque part dans ce quartier. Il nous espionne et rapporte tout à Emilio. Plus pour très longtemps, crois-moi. Identifier et éliminer les voleurs qui ont trahi Antonio. Allez hop. Oh mais putain. Voilà. Bon alors, vis-à-vis des consoles next-gen là, qui achète une PS5 et qui achète pas de console? Je crois que c'est le seul choix possible en fait. Ces remèdes traditionnels
sont les trésors de la sagesse. Ça fait une heure que je dois rouler et que j'ai pas commencé, preuve que le stream et le chat est bon. Ah nice. Nice, mais en fait si je t'empêche de produire de l'argent c'est pas terrible non plus. Donc je crois que je vais devenir chiant vite fait. Je vais devenir chiant vite fait, comme ça tu vas pouvoir te renforcer monétairement. T'attends les bons jeux avant d'acheter la prochaine gen, c'est compréhensible. Ouais, du coup pour que Django Jack aille travailler je passe sur Fortnite. Voilà. Je rigole bien sûr. PS5 standard, deuxième vague de production. Ouais, logique. Ouais, ça paraît cohérent. Lance une OPSP. Est-ce que je suis en train de jouer à Black Flag là? Oh mais Black Flag, mais putain comment j'ai hâte de jouer à Black Flag. Je viens de me rappeler qu'il y en a un qui est dans l'univers pirate. Oh putain, on peut sauter 14 opus s'il vous plaît. Dans la tranchée. Putain de merde. Il va falloir du temps pour lancer de bons jeux sur PS5, je pense. Je pense pas que ça mettra autant de temps que ça. Je pense pas que ce sera aussi long. Ouais, que ça baisse de prix par contre, ça tu vas pouvoir attendre. Mais non, des bons jeux sur PS5, ça devrait pas mettre très longtemps. Tu regardes le catalogue qu'ils nous ont pendu sur toute la gêne de la PS4. Ça va quoi. Bah déjà il y a Horizon qui sortira pas longtemps après donc ils ont pas donné de date mais bon s'ils l'ont annoncé c'est que ça devrait pas être très très long. Bah moi le nouveau Ratchet déjà il me botte bien. Pas tant pour moi que plus ma copine mais bon qui me ferait acheter la console. Bah déjà une bonne partie des jeux sur PS4 que je préfère faire sur PS5 parce qu'ils auront une bien meilleure qualité. Du genre Control par exemple. Genre Control c'est vraiment le jeu, là en l'occurrence je sais qu'il va sortir une putain de version ils vont sortir une putain de version PS5. Ça va être l'un des premiers jeux que je vais me prendre dessus d'office. Parce que Remedy, parce que putain en plus il y a un DLC avec Alan Wake. Faut voilà, faut pas me faire prier là dessus là. Ah mais non mais idiot. Alan Wake c'est fantastique. Ah c'est juste un DLC. Tu vas jouer au nouveau GTA 5. Yes. GTA 5 ça devient Skyrim un peu hein, dans l'idée. Bientôt ils vont vous sortir GTA 5 sur téléphone. Seul jeu que tu regrettes. Bah faut pas le regretter. Faut pas le regretter, il reviendra. Il reviendra. Maintenant que Remedy a annoncé son Connected Universe, là, c'est fini. Tout est possible. Ah, que tu regrettes de pas avoir fait. Oups. Ah, j'ai pas eu... Ouais. Bah, t'as un PC qui tourne un peu bien. Genre, ok. Ah, t'as un bon téléphone ou une bonne connexion internet? Sinon je peux te donner. Si t'es sous Android, j'ai une dernière solution pour que tu joues, mais elle est clodo. J'ai une solution. Genre... Il y a le projet xCloud maintenant. Ouais. Mais en fait non, tu t'en fous que ton PC ce soit une bouse. Tu t'en fous que ton PC soit une boost, tu te prends un Shadow
tu peux... t'as littéralement un PC à disposition, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et t'as pas besoin de prendre un Shadow très cher pour faire Alan Wake, pour le coup. Ah voilà. Il a un Shadow à 15 balles par mois, il doit avoir le triple de mon PC dedans, donc... T'as déjà essayé de streamer depuis le Shadow, Jaune? Ça passe? Ouais, ouais, ça tourne bien. Bah si t'as une bonne co, ouais, ça tourne. Mais vu que j'ai l'impression que t'es sur Montpellier, Montpellier, je crois que niveau fibre, ça tabasse. Surtout si Ubisoft est là-bas, en fait. Ouais, déjà fait, ok. Je pense que tu vas devoir me le prêter à un moment, Jaune. Quand je vais streamer Assassin's Creed Odyssey. Je suis pas sûr qu'il tourne sur le PC. Hein. J'ai pas la certitude. Il avait galéré. Ah, mais c'était pas quand t'avais fait Arx Fatalis? Ouais, c'est l'avenir du gaming, ça. À moindre coût. Bah en fait, ton PC il sert à rien dans l'histoire, il sert de support, c'est pour ça que ça marche sur n'importe quoi. Genre, ça marche vraiment sur n'importe quoi en fait. C'est vraiment juste un support, tout ce qui prend de ton PC en fait c'est juste l'écran pour diffuser l'image. Donc c'est littéralement comme si tu regardais Netflix sur ton ordinateur. C'est exactement pareil sauf que c'est interactif. Mais tu peux ne pas nous croire, hein, mais tu verras. Si t'as envie d'essayer une fois, tu te mets 15€ là-dedans, tu verras, c'est fantastique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme Twitch, c'est comme n'importe quoi en fait. C'est de la vidéo interactive. Non. Ils se feront jamais baiser Shadow. Non. Parce que Shadow, c'est les seuls à te proposer d'avoir vraiment un PC. Les autres, c'est que des plateformes de gaming. Qui marchent d'ailleurs moins bien que Shadow. Donc non, Shadow, c'est ultime. Y a... Ouais. Bah, ils sont leaders et ils sont seuls, surtout. Shadow... Faut juste se dire que du moment qu'en fait Shadow te permet d'accéder à un PC. Ouais non mais en fait, regarde, Stadia te propose un catalogue de jeux. Ok. Donc un catalogue défini qui évolue pas des masses depuis que c'est sorti. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 30 jeux. Et donc du coup tu lances Stadia, tu lances ton catalogue de jeux. Voilà. Donc une fois que t'as fait les 30 jeux dedans, déjà Stadia te sert plus à rien. Xbox xCloud c'est pareil, sauf que tu passes par le Game Pass, ça te laisse à peu près 100 jeux, mais t'es toujours sur un catalogue. Shadow, tu prends ton PC, tu vas sur Steam, tu vas sur Instant Gaming, t'achètes tes clés à 3€, tu peux même, je pense, faire des, enfin, y passer illégalement dessus et foutre tes jeux DL dessus. Et en fait, du coup, tu te rends compte que bah, il y a pas de concurrence parce que tu peux littéralement tout avoir en fait. Tu peux faire de l'émulation, tu peux jouer à de la PS1 dessus, c'est un PC quoi. Voilà, tu vois, t'es même pas obligé de faire du gaming, tu veux faire du Photoshop, tu peux le faire, enfin, y a plus de limite quoi. Faut juste, en fait, le seul défaut, j'ai envie de dire, de Shadow, c'est juste faut accepter d'être dépossédé de ton bien. Faut accepter le fait que tu sois pas propriétaire de ton ordinateur. C'est le seul truc. Non, m'approchez pas. Dio del cielo. Est-ce qu'il a... Parce que de toute façon, c'est la politique de tout maintenant, tu vois. Tu prends une voiture en leasing, tu machin, tu loues un ordi. Tu loues ton appart. Tu d'un vrai défi. Le haut de cette tour, c'est ça? Je reviens tout de suite. Si
Si t'as pas de problème avec cette idée là, ouais, tu vas être content avec un... Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait que Shadow est irremplaçable pour le moment et que Shadow est leader de fou. Et il le restera un bon paquet de temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ça va, Ordilos? Je viens de voir que t'es arrivé. Bah, c'est que ça va bien. C'est que ça va très bien. Dans 2 jours, je suis sans emploi. Mais sinon, ça va bien. Alors ? Tu t'en sors très bien, je n'ai plus rien à t'apprendre. Je vais prévenir Antonio. Termine tes autres tâches. On y est presque. Mais ouais, du coup, je te l'emprunterai très certainement, ton petit Shadow jaune. Putain, mais c'est de quel côté ? C'est de ce côté que ça merde le coin ? Ah, c'est là. Ah, c'est bon. Ordilos qui a une répute de mec qui commande tous les jours. Hein. Et le secret professionnel alors, Django. Ouais, parce qu'il était là quand t'avais commandé. Quand t'avais commandé Jap. C'est bien, tu vas avoir de bonnes vacances, ouais. Content de te revoir, Hugo. Que se passe-t-il ? Ouais. Toi et Rosa, si on veut, vous êtes échappés du palais. Les autres n'ont pas eu cette chance. Emilio les a capturés. Ils vont être exécutés. Sais-tu où ils sont détenus ? Quelque part dans ce quartier. Mais je n'en sais pas plus. Tu vas devoir les trouver. Ouais, les vrais sont déjà passés. Je vais sortir tes frères de là. C'est plus angoissant qu'autre chose, en vrai. La fameuse entrée, ouais, bah. Ouais, mais parce que t'as toujours eu des revenus confortables au chômage. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. 800 et quelques. Ah ouais? En gagnant 900 euros pendant 2 ans. Bien, par ici. Ce sera peut-être plus confortable que prévu, du coup. Arrêtez-vous. Suivez-moi. Ouais, voilà. Oui, non, toi c'était en gendarmerie, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Oui, non, moi je vais avoir 700 euros. Ouais. N'écoutez pas ceux qui tentent de justifier ces actes. C'est un meurtrier implacable qui se délecte de la souffrance de ses victimes.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, donc t'as jamais travaillé pour 900 euros. J'ai jamais travaillé pour 900 euros. Ouais, voilà. Si, si, mais je l'ai, mais il est. Il finit dans quelques jours. Dans 2 jours. Ah, je ne suis pas très ordonné, mais. Je connais bien mes. J'étais sous contrat en alternance. Ne bougez plus. Putain. Allons-y. Venez avec moi. Ouais, je suis pas fan forcément de faire ça, mais. Je mange à bois en même temps, hein, m'excuserai. Ouais, c'est ça. Merci. Mais tu le fais quoi? Tu le fais à vélo? Tu le fais à vélo ou à moto? Ou... Je sais qu'il y en a pas mal qui le font en... Différents trucs quoi. Ouais, mais moi j'ai pas la condition physique pour faire la livraison. Tout le monde mangerait froid. Le monde entier mangerait froid avec moi comme livreur. Incroyable. Pas étonnant que leur maître ait peur de se montrer. Où est Emilio? Qu'on en finisse avec ces gueux. Merci. Ils veulent pas me mettre une cinématique là. Bah, disons que le seul truc qui me plairait avec ce genre de taf de livreur, etc., c'est surtout le fait de pas avoir un patron derrière, quoi. T'as l'impression de mener ta marque, ta barque un peu tout seul, quoi. Mais voilà, c'est ça, faut avoir un vélo aussi. Faut avoir un vélo, putain. Bon, vous venez les jeunes, là? Quand vous voulez. Hein. Par ici, allons-y. Peur de tomber sur le coup, putain, c'est vrai que tu t'es vrai. Putain, mais t'es vraiment. T'inquiète pas! T'es merde. C'était pas du tout ce que je voulais faire, ça. Jésus m'a puni. Ah oh mais merde à la fin. T'es en mousse. T'es en putain de mousse. Non mais même le sport de chambre il en fait plus trop. Hein.
À son âge, c'est pas quand il veut. C'est quand il peut. Oh merde. Je suis une vraie enflure. Tu vas finir par te fatiguer, je te le dis. Putain. Et il approuve en plus. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Putain, Manuel Ferrara dans le chat, j'en peux plus. Restez près de moi. Pour te donner de la force, c'est ça? J'accueille tous ceux qui ont besoin d'aide. Elle ressemble à quoi la prière? Copuleur fou. Le voilà, une tête. Bâtissant, oui. Le voilà est pris au piège. Ornilos qui tire à balles réelles. Oh la vache. Oh putain. Je suis psychothérapeute. Non, pas du tout. Les pauvres, ils sont déjà malades, je vais pas les rendre encore plus fous. C'est honteux, elle a des dents impeccables. Tu m'impressionnes. Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir de si tôt. J'aime me rendre utile. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Antonio. Reviens plus tard. J'ai une autre mission pour toi. Tu peux m'en dire plus? Retrouve-moi sur les quais. Je t'expliquerai. Molto bene. Ce qui est bien avec la phrase de Jack là, de Django Jack, c'est que tu peux la lire en pensant à une bagnole ou à une meuf. Tu peux la lire pareil. Parce que rien que le dire, le fait de dire, je sais pas si vous avez déjà essayé, tu sens là, le placement de la jante féminine dans l'eau quoi. C'est fantastique. C'était mou mais intéressant. Ah bah oui, mais bon. Tu t'attendais à quoi aussi? Les croûtes, c'est des légendes. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce chat? Putain, à quel moment j'ai fermé les yeux? Merci Yuma et bon appétit. La libération de mes frères n'est pas seulement un soulagement, Ezio. Ceux que tu as sauvés joueront un rôle crucial dans les semaines à venir.
Demande-leur de t'aider, et ils te suivront. Et quand j'aurai rassemblé ma troupe de voleurs? Envoie ces voleurs vers un groupe de gardes. Comme ça, ils créeront une diversion. Et j'en profiterai pour passer. Exactement. Je n'aurai donc pas besoin de salir mon épée. Tant mieux. Exactement. Je vais te dire ce que vous allez faire. Le plan d'Antonio repose sur un subterfuge. Nous ferons passer pour ses archers, mais pour y parvenir, il nous faut leurs armures. Elles se trouvent dans des coffres, qui ont été chargées dans des bateaux pour être livrées au palais de la soie. Pille les coffres et récupère les armures. Quand ce sera fait, trouve-moi un bateau et amène-le rapidement jusqu'ici. Nos hommes l'utiliseront pour s'introduire discrètement dans le palais. Tu peux compter sur moi. J'essaie de me rappeler du moment où ma fanbase est devenue la fanbase d'Alain Soral. Franchement, j'ai vraiment besoin de le savoir. J'ai vraiment besoin de savoir ça. À quel moment mes viewers sont devenus des gens qui regardent les collectifs d'Alain Soral? Ah merde. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Me mets pas là-dedans. Oh là là, attention. Attention, attention. Attention, attention. Je suis permissif, mais faut pas déconner. Hein. Ah mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Y a pas intérêt à parler ça. Je suis assez d'accord. Batch. Bon, deux secondes, parler entre vous, j'ai envie de finir mon assiette là.
Je l'ai affaibli, vous pouvez y aller. J'arrive. Oh putain. Allô? Oh putain. J'ai jamais autant squatté le sou, ça devait arriver. Ah ça y est, il se fait bombarder. C'est magnifique. Oh merde. Le pauvre, il devient sénile, il comprend plus ce qui lui arrive. Ah nice que tu fais Yum. Merci beaucoup Yum. Super. Ouais, super. Autrefois, la paix régnait. Qu'est-ce qu'il a tenu de votre sens de la justice? Ah, quelle mort tragique. Hé, vraiment impressionnant. Avec toute votre garde robe. Ok, ça doit être le dernier. C'est lui! Attrapez-le!
Voilà. Je te l'avais dit. Si, c'est une purge. Tu fais clic droit sur son pseudo purge. Exactement ce qu'il nous fallait. Les informer Antonio de tes prouesses. Oh putain. Et comment fais-tu? Ah voilà, ça part. Hein. Ça part. Hein. Je vais récupérer tout l'argent qui croule dans mes coffres. Vous êtes des malades. Ah là là. Tu peux pas faire un slash pur, jeune gros? Essaye voir de le taper dans le chat. Ah ouais, ça marche pas. Ok, c'est que pour moi. RIP. N'oubliez pas de parler de moi à votre but. Chaco, elle, ça me fait moi. Moi, ça doit pas te changer de ta boîte de recrutement. Buongiorno. Ah mais pourquoi je lui parle? Il me sert plus à rien. Voulez-vous consulter les tarifs? Non mais par contre lui on peut le virer maintenant, il me sert plus à rien. Il sert plus à rien ce gars. Bon voyage. Barre-toi de ma villa en fait. Casse-toi. Salute Claudia. Tu veux consulter le livre? Attends, mais mon chat c'est devenu une purge. Ah putain. Armure d'Altaïr 0 sur 4. Vache. À bientôt, Ezio. Ah ouais, tu peux clear. Ouais. Ah normalement tu peux, ouais, tu peux enlever les messages sans bannissement. Mais de toute façon tu peux regarder sur le net, il y a pas mal de sites qui répertorient les commandes de modération que tu peux avoir. Mais putain, mais c'est bon là. Stop l'argent. Le mois dernier, à lui seul, le vicomte mage. Ah, ça claire tout le chat, merde. Je vais quand même recompter. La qualité de nos munitions est retenue par le monde. Je soigne. La perfection n'a pas de prix. Je vais te faire aller récupérer les 10 000 qui m'ont remis dans le coffre. Et on va. Oh! J'ai eu peur. Et étrangement forte cette alerte. Bah voilà, Yumer est top beat. Qui le détrônera?
la suite au prochain épisode. À dans 2 ans. Pourquoi tu veux qu'ils te versent de l'argent? Tu streams même plus. Ah ouais, t'as accumulé, ouais. Non, je fume plus du tout à côté. Je fume que la vape. Ça m'arrive à une soirée d'en prendre une, mais j'ai jamais, enfin j'ai plus de dépendance vis-à-vis de la clope en général. Ouais. Il va finir par se quoi? Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Tu peux tirer en anonyme? Oh, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an maintenant. Je dis pas merci parce que je me doute que c'est quelqu'un d'ici à qui j'ai déjà dit merci pour les 2 premiers bits. Hein? Merci beaucoup. Ben c'était quand même moins dur que ce que je pensais avec la vape. Bon du coup ça fait que je fumerai, enfin je fume tout le temps quoi malgré tout, mais j'ai pas le côté nocif quoi. Donc je suis assez content. Enfin, jusqu'à ce que des grands génies viennent me dire que c'est à nouveau la merde et que je vais avoir un cancer du poumon parce que je fume ça. Mais... Allez, j'adore me faire démonter les oreilles par cette alerte. Vieille épée syrienne. Je vais quand même recompter. J'ai fumé de mes 17 à mes 23 ans, Django. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la sagesse. Ah ouais, je sais pas, j'ai jamais donné de beats en fait, je crois que j'ai jamais fait de don de beats. Je trouvais le concept foireux en fait, donc. Après l'avantage des beats, c'est que quand t'es genre un streamer petit. Et que tu veux avoir ton versement de Twitch, c'est le seul moyen hors sub de réussir à avoir de l'argent quoi, qui rentre dans ta cagnotte. Vu que les donations ne comptent pas dedans. Bon, je me vide dans son échoppe hein, parce que bon. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Grazie, molto grazie. Ne soyez pas timide, approchez. Tu te... Ouais. Vous avez entendu, vous êtes trop jeune. C'est aussi chiant qu'un don pour un streamer? Comment ça, qu'est-ce que t'entends par là? Genre le aussi chiant qu'un don.
Je vois pas trop le... Je comprends peut-être pas bien la phrase, mais je sais pas. Je peux soigner tous les malades. J'ai mis les deux streams sur Corion pour ceux qui auraient voulu voir ce que c'était sur YouTube. Et je, à la fin de ce stream là, je vais mettre tout Assassin's Creed 1. Si jamais, pour ceux qui ont raté une partie, qui veulent voir des moments particuliers, vous verrez rien de beau. Hein. Je suis nul, hein, mais bon, si vous voulez voir, au moins vous avez de quoi voir quoi. Si je vous manque dans la semaine, vous voulez regarder une VOD. On sait. Je commencerai à tout doucement ajouter Assassin's Creed 2 aussi. Je dois aller où là en fait? Je fais quoi là? Allez, non, mais je suis pas du tout au bon endroit en fait. Je vais cacher mes TP à l'endroit qu'il me faut. Ben non, les dons tu me les donnes. Enfin, une donation que tu me fais, je sais pas, de 20 balles, je la retire tout de suite, c'est par PayPal. Quand tu me fais un don, ça va direct sur PayPal, je peux le récupérer quand je veux. Les bits, non. Les bits, c'est système de cagnotte, quoi. Dès que j'atteins une somme, je peux les avoir. Il reste combien de villes après Venise? Je me rappelle plus. Oh, j'ai pas assez d'argent pour voyager. Oh, le frou du cul. Oh non, mais quel abruti. Bon bah allez, hein, on peut attendre. Les bits, c'est plus relou que les dons, sauf quand tu es au stade où genre tu veux débloquer ce que t'as accumulé sur Twitch quoi. Je sais pas, imaginons maintenant il me manque 5€ pour avoir mon versement. Tu verses l'équivalent de 5€ post-commission en bits et ça me débloque le truc, tu vois. Plutôt que d'enchaîner des subs, des trucs comme ça quoi. En fait, ça te permet d'avoir un déblocage plus instantané, quoi. Tu peux le maîtriser. Tu peux payer tes Uber Eats, ça. Ah mais étonnamment, moi je suis surtout surpris de voir que je chope par moment par-ci par-là des gens qui veulent follow, etc. sur du Assassin's Creed, ça me... Sur du Assassin's Creed 1 et 2 quoi. Genre j'ai fait plus de follow sur ça que ce que j'ai pu faire sur un mois et plus de Valorant quoi. Enfin, comme quoi hein. Vaut mieux faire ce qu'on veut que ce qu'on nous dit de faire. Hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, voilà, c'est pas comme si tu pouvais te démarquer par le talent, quoi. C'est pas possible. En fait, il y a deux étapes. Soit t'es pro, et là t'auras une visibilité instantanée parce que t'es pro. Soit tu l'es pas, et à ce moment-là, bah, tu te fais une fanbase. Enfin. À la dep, quoi. À la galère quoi.
C'est quoi cette zone horrible dans laquelle je suis là? C'est quoi cette monoroute que je me tape depuis avant? Ah, je dois. Ok, d'accord, on va aller là. Fais un petit tour de cheval. Y'a quoi là? Ça m'intrigue. Ok. Mais encore. Hyper angoissante cette musique. Ok, soit. Oh non, merde. Mais ouais, tu vois, Valorant ce serait plus un jeu que je ferais si j'ai pas une équipe de 5 derrière quoi. En solo, Valorant c'est la plaie. Je sais pas comment ils font les... Là tu vois que c'est vraiment un métier, hein. Ceux qui arrivent à streamer du 8 heures par jour de Valorant en jouant en solo queue. Oh putain, quel ennui. Ou du Fortnite, ou en fait n'importe quel jeu, tu vois. Même du Rocket League, 8 heures par jour, je pèterai une pile. Oh là, K-Dot. Hein. Je peux rajouter 6000 heures si je veux un jour ne serait-ce qu'arriver à 15% de son talent. Ouais, il est bon. Je sais pas où je vais avec ce cheval, hein. Franchement, ça. Ouais, bon, nique le coffre. J'ai pas envie de m'arrêter là. Mais je suis en train de me taper une route. Ferry pick, chaussette, il y a trop de bons joueurs. Chronovie dans les premières saisons, qui a réinventé le jeu lui tout seul. Plein de bons joueurs. Par contre, je comprends pas ce qui se passe là avec ce niveau là, j'ai pété une pile. Ça m'a l'air bon. Bah oui, bah c'est normal, c'est une légende ce gars-là. Quand il a commencé à jouer à Rocket League, il a balancé des moves sur internet, on savait même pas que c'était possible. Bon, l'avantage c'est qu'avec les coffres j'ai récupéré de quoi me TP rapidement là, je vais pouvoir y aller direct. Ouais, c'est juste qu'il est pas resté au niveau qui... Enfin, tu peux jamais rester au niveau sur des jeux comme ça. Si t'as été bon au début, tu resteras bon sur le long terme mais tu seras pas au top quoi. C'est normal. Et si t'y arrives, t'es un monstre. Si tu arrives à tenir le coup et à rester dans la liste, là, t'es juste un monstre.
Ah, les jeux de combat, ouais, mais... Ouais. Jeu de combat, je trouve que c'est un autre monde en vrai. Mais bon, comme dit, tu regardes le top tier de ce qu'il y avait sur Rocket League saison 1 et 2. Je suis même pas sûr que t'en retrouves un seul dans les compétitions maintenant. Yo, c'est que ça va? Bah tiens, pour ceux qui veulent voir du compétitif, c'est qu'il stream du TFT de temps en temps. Et il va streamer les progrès de raid sur Shadowlands. Si jamais. C'est un bon gars. Bon, il a une sale manie de streamer torse nu, mais sinon, c'est vraiment un bon gars. Donc si vous aimez les torses et TFT, bah qu'est-ce que vous faites là déjà? Qu'est-ce que vous faites là, premièrement? Je conviens à aucun des deux critères. Prépare ton foie, Seik. C'est tout ce que j'ai à dire. Prépare bien ton foie, t'as 2 jours. Zen. Ah, parce que je parlais de me mettre une immense murge mercredi pour fêter la fin de mon contrat, parce que je suis quand même content de me barrer. Seik fera partie des gens avec qui je vais mettre une immense murge. Donc autant le préparer un peu. Il est de plus difficile de pirater l'ordinateur central d'Abstergo. J'ai l'impression de savoir ce que je cherche. Comme si j'avais déjà vécu tout ça. Je l'adore. Humer, il le fait tellement sérieusement, c'est magnifique. Sa bouche délivre un baiser fatal. Sa bouche délivre un baiser fatal. Ah oui. Il faut bien que jeunesse trépasse. Il leur déchirait les tympans et leur crevait les yeux. Ah là, ok, j'ai pas trop compris là. Ce monstre n'est pas une création humaine. Oh. What? C'est pas ça? Forcément ça.
Ces choses expliquent en long, en large et en travers. Un pérogique entre les modos et toi. Efficacement des idées. Ça c'est lui qui met des images en random. Ta race. Je me rappelle pas des souvenirs pareils. J'ai pas compris ta phrase, Django. Je te jure. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Désolé. C'est ça en fait, y'a pas le choix, genre y'a... Ce monstre n'est pas une création humaine. Là j'ai un problème là. Attends, je vais faire un petit tour là, parce que j'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé. Ah, c'est quoi ça, conjuré? Ah, on est pas mal, hein. Séquence 7. Ok. Base de données. Elle est où là? Il est de plus facile de pirater l'ordinateur central d'Abstergo. J'ai l'impression de savoir. Ça c'est bon. C'est normal ça? Ou j'ai encore une version du jeu qui est particulièrement bonne? Comme avec la lampe avant. C'est normal le code binaire, t'inquiète. Ok. Je sais pas trop. C'est marqué go, hashtag epic partner, hashtag mortal shell. Putain ouais, j'ai entendu cette histoire de jeu qui doit remplacer du Dark Souls là pendant le temps qu'Elden Ring rentre. Ça a l'air pas trop mal hein. M'intéresse pas des masses mais ça a l'air pas mal. Boule de feu du mob à droite, c'est pas la pomme d'Eden. Oh putain, bien vu. Oh mais quel boss. Je suis passé complètement à côté. Ok. Exerve dit que c'est de la merde et pourtant il est bon public. Ah, Mortal Shell ? Ouais, je sais pas. Franchement, ça a bien plu pendant la bêta quand même. Ça me paraît couillu de dire que c'est de la merde, quoi. Ouais, oui. Je sais que c'est. Vas-y, entre. Grâce à ton aide,
Nous pouvons enfin relever la tête, Ezio. Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Milio a posté ses archers autour du palais. Tue-les. Mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Ok. Meurtre d'archer, hein, depuis un... bien compliqué en somme. Ok, let's go. T'as pas QTE. Désolé. Je suis en train de lire un message. Ah mais assassine-le. Ok. Et tout de suite, le voilà. Ouh, je vais tomber dans le vide. Non, même pas. Yes. Bam bam bam. Down, down, down. Merde. Oh putain. Ah. Quelle erreur du joueur. Qui tombe à un endroit improbable. Non mais si lui il bug aussi. Là-bas, allez. Voilà. Ok. Oh là. Ah, je suis retourné dans ma phase rap en ce moment, depuis un petit moment maintenant. Depuis un obscur moment. Bien joué, Ezio. Ici, tout se déroule comme prévu. En ce moment, mes hommes remplacent les archers que tu as tués. Nous allons pouvoir nous approcher. J'écoute d'autres choses à côté, mais principalement oui, mais ça. Pas nous y introduire. Les gardes d'Emilio patrouillent tout autour. 4GM. Envoie mes hommes. Ils occuperont les gardes un moment. Tu n'auras pas besoin de te battre. Et surtout, quand viendra le moment de l'assaut? Pense à ce que je t'ai appris. Sois prudent, Ezio. J'espère que tu réussiras. T'es à quel elo sur TFT, là, Quentin? Toujours sur du Diam 2? Les artistes en tête. En vrai, j'écoute vraiment tout en rap français. À part les extrêmes, en fait.
Du coup, des trucs chelous pour mon âge et ma caméra. Genre, te. Rap américain, du coup, ouais, grave. Rap américain, grave. Mais là, pour le coup, ça va être vraiment. Très, très basé sur les trends. Hein. J'écoute du Kendrick Lamar, j'écoute du Travis Scott, j'écoute du Drake, j'écoute tout en fait. Genre, tout ce qui sort en rap US, je vais au moins l'écouter et après, je fais mon choix dedans. Alors rap français, tu prends à peu près une bonne partie de tout ce qui est connu, t'enlèves Jaja et Dinaz et Jules. Dajou et Nejden là ou je sais pas quoi là. Je me branle de son prénom, je m'en fous, c'est de la merde ce qu'elle fait, je déteste. Et t'as à peu près les goûts que j'ai en rap. Va rester planté là. Merde, merde. Tu es trop lent, tas de graisse. L'empereur, c'est l'empereur. Toi, tu n'iras nulle part. Ah, attends, parce que toi, mon pote. Mais crains. Plus haut, plus haut, plus haut. Gameplay en 2020. Hein. Ah. Même si Solar a sorti un truc depuis le bout de là. Oh putain. Oh putain. Oh putain, MC Solar, merde. Ouais, non, non. Al Capote. Al Capote, le seigneur. Le prince de ces dames. Ce Don Juan. Le grand aigle de Carthage. Vole au-dessus de ses pigeons. Votre petit château de cartes s'écroule, Emilio. Un léger contretemps, ce sera vite réglé. Ce pauvre idiot d'Antonio, avec sa bande de voleurs... Mange mes oursins. Vous devez vous concentrer sur l'assassin. Pourquoi? Il est à Venise? Depuis plusieurs semaines. Êtes-vous aveugle à ce point? Contrairement à vous, j'avais affaire. Il fallait bien que quelqu'un fournisse des armes à nos frères Florentins. Oui, et nous avons tous vu le résultat. Je ne vous permets pas, Carlo. Vous avez autre chose à me dire? Le maître de vous pouvoir. Dans 3 jours, à Santo Stefano. Très bien, j'y serai. Oui, si vous êtes toujours en vie. Moi, à votre place, je me cacherai dans un endroit plus discret. Là-bas! Le palais est une forteresse. Si vous le dites. Au revoir, Emilio. Capitan, et s'il avait raison? Vous, faites venir mon bateau. Il n'est pas loin. À son arrivée, chargez ses caisses et tenez-vous prêts. Je ne serai pas long. Si Carlo dit vrai, je dois me cacher quelque part, au moins jusqu'à la réunion. Puis je m'occuperai de l'assassin. Il est sûrement de mèche avec Antonio. Alors, ses attaques? Non, pas après tous les efforts que j'ai faits. Et les gens vivent mieux. Certains ont souffert, mais c'est le prix à payer. Attendez un peu, l'ami. Là-bas, quoi ? Guardia ! Abandonne tes plumettes ! Voilà.
Go rejoue à TFT, mais Capulet c'est broken. Tu oh putain. Je n'ai pas peur, assassin. Non. Tu ne comprends pas. Je suis trop nul à TFT. Je suis pas bon. La stabilité. Toi, vas-y, viens, on rejoue à Valorant aussi là. Et tout cela à quel prix? Avec tout des jambons. Exige des sacrifices. Je regrette sincèrement que ça se termine ainsi. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Je mets mon AWAP à ton service. Faut moi juste des gens qui s'abandonnent. C'est tout ce que je veux. Désolé, c'était trop tentant. Bien, il faut ouvrir la porte à Antonio. C'est safe pour moi de le mettre ce lien ou... ou c'est catastrophique? Le palais est tombé et Emilio est mort. Merci pour ton aide, Ezio. Allez, retirez les bannières d'Emilio. Putain, mais regarde-le. Open pour toi, c'est le premier qui jette dans la gueule du loup. Dis-moi, entre guillemets, oui. Mais bon, faut qu'il tue aussi, quoi. De l'argent suffira. Rien. Faut pas juste y aller mourir. Et quoi d'autre? Emilio s'est entretenu avec un dénommé Carlo, probablement un dignitaire de l'État. Tu le connais? Carlo Grimaldi, membre du Conseil des Dix. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que tu prépares? Je dois assister à une réunion. Tu es mon homme. C'est bien, plus que trois. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Quand je te vois, j'ai mon cœur. Pour chanter, danser en rythme, vous allez vous entraîner sur parapas de rappeur. À chaque fois qu'apparaît une croix, un triangle, un rond, un carré à l'écran, vous appuyez sur la touche du pad. C'est bien compris? Croix, croix, carré, rond, rond, rond. Parapaz de rappeur sur PlayStation. Aïe 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 aïe. Je vais pas vous. Ouais. Putain, il savait vraiment faire des pubs à l'époque. Ça vieillit bien les pubs de PS1. Tu trouves? Eh ben merde. Oh, si vous avez des trucs du même acabit à envoyer, balancez. Hein. On n'est plus à ça près, là, dans le contenu. C'est complètement foutu ici. Ramenez-moi vos plus beaux mèmes. Je serai là pour les juger. Même Booba c'est mieux. Alors par contre je suis pas pour utiliser Booba comme un intervalle de mauvais en fait. Désolé. De vous.
Oh, attends, c'était une ruine ça. Vous voyez ce qui se passe? Pas encore. Bientôt, vous comprendrez. Confronté à un ennemi, il tranche dans le vif. Lui. Lui, je crois. Merde! À chaque fois, je me gourre. J'oublie la touche de zoom. Vous voyez ce qui se passe? Ah voilà. Alors, oui. 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 Trancher dans le vif. Tu es con ou quoi? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai bien compris que c'était une histoire de... d'épée, mais par contre je vois pas qui est le dernier à en avoir une quoi. Lui peut-être? Non. Parce que... celle-là? Ah mais ça colle. Ah, attends, peut-être que c'est une de celles que j'ai mis. Attends, je vais tout enlever. Alors, lui c'est une canne. Elle, elle a une épée. Lui, je sais pas ce qu'il a. J'arrive pas à voir ce que c'est. Là, y'a rien. Elle, elle a une genre de lance. Donc, pas quelque chose qui tranche concrètement. Je pense que c'est ça qui pose problème. Là, y'a une épée. Là, je vois rien de spé. Épée. Peut-être lui, hein, du coup. Ah, voilà. Quand ils le brandissent, les sages se reposent sur sa puissance. Sceptre, hein. Alors là il y a un sceptre. Là il y a un sceptre. Là. Voilà. Enfin le bâton, hein. Alors, juste voir où est le tombeau. Il est dedans, hein. Donc il va falloir faire tout le tour.
Ok. Basilique Saint-Marc. Brotherhood, il y a un moment qui se passe à Rome. Je crois, non? Celui-là aussi, mais c'est très court de mémoire. Tout le jeu, d'accord. J'ai bien envie de voir comment ils ont représenté Rome. Putain. C'est la merde, escalader ce truc là. Ouais, je suis pas le plus malin quand il s'agit d'escalader ce genre de truc là. Ouais, eh merde. Allez, courage à moi. On va réussir à avancer un jour. Putain, mais je veux juste faire un tombeau, me casser. C'est une lave DCS, je reconnais. C'est vrai que ça ressemble à... je sais plus laquelle, là. Ouais, 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 je vois de laquelle tu parles. Je sais plus quel nom elle avait, par contre. C'est dans une des opérations. Je sais même pas si je peux le faire cash, ce tombeau. C'était Italie ? Non, c'était pas Italie. Ah, Italie, c'est avec les deux allées là. Non, ça c'était une map de. Une map d'une des opérations, mais je sais plus laquelle. Ah oui. Oh, mais merde, putain, allez vous faire enculer. Voilà. Ne t'inquiète pas, on va l'attraper. Oh putain, oh vas-y c'est bon, on le fera plus tard. C'est en train de me casser les couilles là. Ok, mission principale c'est où? Je vais péter une pile avec cet endroit là. C'est là, très bien. Oh putain, c'est bon là, je me suis fait bolos pendant 20 minutes là, ça m'a rendu dingue. Oh merde. Bon, je sais pas, ça a bien marché jusqu'à maintenant, mais bon. Là, je me suis fait un peu fait full cube, quoi. Un suppo et dodo, ça marche. Bah, bon courage, du coup. Y'a pas de soucis. Bah, non, pas mercredi. Bah, du coup, un autre moment dans la semaine, je dirais sur Twitter et je t'enverrai un petit message. Mercredi, c'est le jour de la caisse.
Mais je préviendrai quoi. Bon, on fait quoi? On tente de repasser, de le choper ce putain de sanctuaire ou pas? Maintenant que j'ai la paix là. Oui, STP, ok. J'aime te voir souffrir, putain de merde. Non mais... Je sais même pas si j'ai accès à ce tombeau direct là. Voilà. Ouf. Non, on fait ce tombeau et j'arrêterai là. 22h35, 40 à peu près. Ça va être bien. Ça, je peux continuer à jouer à Days Gone aussi. Putain de merde. Ça fait plaisir, il y avait du monde aujourd'hui. Dans tes souvenirs, elle est très long celui-là. Ouais, c'est pas grave. Fuck! Bon, c'est déjà mort, hein. Bon, je vais faire le chemin un peu histoire de comprendre. Ou pas? Ou pas? On va appuyer sur le bouton direct. La poutre, ouais, je viens de la voir. Non mais sérieux là? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Chill, chill.
Voilà, 1 sur 4. Yes, GG moi. Ok, next. C'était pris Milan. Ok. Oups. Ah mais putain. Ouf. Ok. Là, celui-là, non. Ouais, pareil. Pareil, j'ai platiné le jeu sur PS3 et j'arrive pas à me rappeler quoi. Les trois quarts des trucs. Ça, je m'en rappelle pas du tout. J'ai oublié où était le levier. Là-bas. Plus que un. Ça va faire le logo des assassins et tout, c'est tellement stylé. C'est tellement complotiste, j'adore. Regardez-moi ça. Incroyable. Putain, c'est trop beau. Une DA folle. Je saute sur les petites têtes. Ok, ça marche. Vas-y, tu te casses. Vas-y, ça marche, Quentin. À la prochaine. Ou plus tard, mardi. Jeudi, mercredi. Putain. Trop un peu ce jeune homme.
YOLO. Et voilà. Terminado. Tons of moolah. Et c'est parti. 5 tombeaux sur 6, je crois, de mémoire. Je crois, ouais. Bah écoute, je sais pas assassiner, mais faire du parcours, ça me connaît. Si ça avait été parcours crit, j'aurais déjà fini la licence. Voilà. Bonne chose de faite. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais juste aller TP au manoir. Récupérer la thune. La thunasse. Où est-ce qu'il y a un TP pas loin? Là. Je vais récupérer la thune et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Il y a un monde, on empêche entre ce jeu et le 2. C'est entre le 1 et celui-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est quand la date de sortie du 2 à la base? C'était quoi? Combien de temps après le 1? Juste qu'on apprécie le taf de malade mental qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a 2 ans, hein, pas plus, hein. 2 ou 3 ans. Hein. 2007-2009, voilà. 2007-2010, ok. Ouais, c'est... 2-3 ans, quoi. 10, c'est sur PC. Bonjour. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage. Bah voilà. On est bon. Au niveau de la progression, c'est comment? Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre? Consultier. Bah, ils ont gardé un concept similaire dans tous les autres, après, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, quasiment, quoi. Peut-être pas Brother ou des révélations, mais tout ce qui était syndicate, unifié, de ça, t'avais toujours une rentrée d'argent. Je crois même Black Flag aussi. Bah, syndicate, sûr, en tout cas. Syndicate, ils l'ont gardé. Black Flag aussi.
Une sur deux maquettes? Je sais même pas ce que c'est les maquettes. Michi, ça pue, le 3, j'ai rien capté au système. Ok. Oh, ça veut dire qu'il y aura des trucs un peu intéressants, quoi. Armure Missaglia. Missaglia, c'est où qu'on la chope? C'est à Florence? Non, c'est à Venise? Ou c'est dans la prochaine encore? 3, faut libérer des esclaves et les faire taf pour toi. J'étais à la fin du jeu avec l'épée de base. Oh merde. Ah putain, la lose. À bientôt, Ezio. Je porte pas dans mon cœur. Ah, moi, comme dit, j'ai vraiment pas touché après ça. En fait, après le 2, ça va être que de la découverte pour moi. J'espère vraiment que je vais trouver des trucs sympas dans l'eau. Parce que sinon, ça va être très long, quoi. J'en bien, mais ça glisse. Allez, hein. Là. Revenez nous voir. Je vais plutôt aller dépenser mon argent dans le fait de reprendre des remèdes. Voilà. Bientôt vous vous sentirez bien. Voilà. Et je crois que lui, il me vend. Ça c'est bien. Je suis sûr que vous serez satisfait de votre achat. Ouais, mais c'est juste pour augmenter les retours d'argent que je reçois. Voilà. Revenez me voir. La qualité de nos munitions est reconnue. Voilà. Bon, nickel. Juste me TP à la ville d'après, comme ça. Comme ça, j'y suis déjà quand je relance le jeu. Tac, Venise. Nardine, Nardine. Un peu là. Ok, bon, on est good. Ok, bah c'était bien. C'était un bon stream. J'ai apprécié. C'était sympa comme tout. Merci.